jeu, c'est l'année de la marmotte, d'année en année, c'est tout à fait pareil. Et là, qu'est-ce qu'on voit pas, nos magnifiques et merveilleuses asperges de pan, qu'on nomme la renouée du Japon, qui est une bonne plante à manger. Mais c'est ça, faut faire attention, elle contient beaucoup d'acide oxalique et faut pas l'implanter parce qu'elle est très néfaste pour l'environnement. Mais ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, là, c'est ça ici. La meilleure fleur du monde. Oh que oui! Je suis venu spécialement sacrifier une portion de la journée avec ma blonde pour venir vous cueillir, vous. Et ici, il y en a partout. Puis j'ai vu un terrain d'un monsieur, là, c'est juste mauve son terrain. C'est très, très beau. Donc, sans vous montrer mon spot, je suis quelque part en ville. Et c'est magnifique. Je capote. Donc, je me ramasse des petits sacs, puis on fait des extractions de saveurs par la suite. L'alcool avec ça, là, c'est merveilleux. C'est la seule violette qui est odorante. Les violettes sont bonnes, sont expectorantes, contiennent des mucilages et aussi des saponines qui en font une expectorante. On peut faire des sirops, tout ça, mais le best, c'est manger ces magnifiques petites violettes. Je vous jure, c'est vraiment une de mes fleurs préférées. Mmh. Et là, ben, on a les racines aussi. Quand on regarde, on a la grande barbane qui commence. Et on a le chardon vulgaire, la chanetac, une espèce de cactus qu'on peut cueillir. Et bref, si on se promène de même, ben là, on a un mélange de toutes sortes de plantes. Mais c'est vraiment les petites mauves qui m'intéressent. Salut! Mais, pas vrai, eux, ils sont bonnes ici. On va s'en prendre quelques-unes pour mettre dans la salade et un potage à sec de la crème. C'est quand même impressionnant, spécialement lorsque Yvan Perrault les fait. Donc, on ne gêne pas ce qu'on envoie à la renouée du Japon. On l'accueille en masse. On peut récolter ses racines. Ses racines possèdent un antioxydant qu'on appelle le resveratrol pour la maladie de Lyme et les maladies auto-immunes et neurodégénératrices. Elle serait excellente. Allez étudier votre renouée du Japon. Il n'y a pas que du mauvais à propos de cette plante-là. Pensez resveratrol. En anglais, on l'appelle reverse it all parce que c'est comme un antipathogène. Salut! Lorsque vous êtes un épais comme Benoît Cormier, vous pouvez vous permettre de prendre autant de violettes odorantes et en faire une extraction de saveur par alcool. Chose que j'avais faite là. Mais ça ici, c'est un fruit de cidre sibérienne. Je vais aller en chercher plein. Et donc là, on a la petite extraction qui est comme jaune rosé. Et 500 ml, bon matin tout le monde. 500 ml, non, c'est pas assez. Puis là, je suis retourné à cueillir beaucoup. Ça doit faire presque une semaine que je les ai cueillis. Ça va être raide un peu. Fait que là, on va verser ça là-dedans. Mais, puis là, vous voyez la décoloration que ça a eue. Hein? Ça, c'est en même pas une semaine. Peut-être 5 jours. Et, on va ouvrir la bouteille. On va transvider ça. C'est un caca, mais ça, l'extraction de saveur est très bonne, mais c'est après 2 ans. Donc, on va voir combien de temps que ça va prendre. Mais dans tous les cas, au pire, je laisse ça de côté si elle n'est pas bonne. Je vais peut-être en amener une portion pour ma tournée de formation à travers le Québec. Qui sait? Peut-être en amener en Gaspésie? Qui sait? Pour peut-être faire des mojitos ou borealitos à violette odorante. Encore une fois. Qui sait? Donc, on va aller voir ça au soleil. Question. Je vais mettre en valeur, excusez-moi, Québec, cette magnifique couleur. Et là, c'est sûr que normalement, les extractions par alcool, excusez-moi, on veut que ça soit... Oh, salut! Ça, c'est... on est une merde d'ailleurs. Caca. J'ai chié ça comme un cave. Mais bon. Ah oui, regardons. Ah, que c'est beau. Comme ça. Très beau. Ça devrait être très bon. J'aime la petite couleur. On voit que c'est comme le sucre qui est tombé dans le fond. T'as des fleurs pleines de pollen. Et ah, bonjour, Signe Yann. J'ai hâte de te retravailler. Des crises de Monseigneur Yignan, rouge-gorge de merde, de sa mère. Il va le souiller ici. Et bref, ma fin de journée, je m'en vais cueillir à quelque part, là. On va aller voir pour des morilles, esti. Et par la suite, on s'en va chez mon ami Le Français pour continuer l'érablière. On va aller chercher
des carriers et des tilleuls. Bonne journée, Esti. Salut. Violette Marvaud. Yeah.